j'adore les déserts, j'adore les grands espaces vides. Le désert, il a un effet incroyable sur soi, parce qu'il n'y a pas de reflet. Et donc, on est face à soi-même, on est face à ses névroses, ou à son désespoir, ou à son mal-être. Et le vide, il est tellement puissant, et le vide, il est aussi... c'est la source de la guérison, ce vide. Le silence. Je fais beaucoup d'animations, souvent pour faire des vidéos autour des chansons. Je fais comme le vieux cinéma, c'est-à-dire le premier cinéma où on alignait un certain nombre de stills. Et alignés l'un après l'autre, on a ce cow-boy qui traverse la rivière. Peindre, c'est simplement une extension de ce que c'est de regarder. Et en fait, le regard, c'est un peu comme l'écoute, c'est-à-dire on écoute et au début, on a presque l'impression qu'on n'entend pas. Et à force d'écouter, on commence à entendre. High the peaks, shadows fall, deep the well, the echo calls, here in the unknown, out of the gap, wrapped in the fold, the devil's trap. Donc je me rends compte que je fasse de la musique ou que je fasse de la peinture, la notion d'écoute et d'observation est toujours égale. Mud of winter, fairer the tide, finer the dust when sunlight climbs. There was the ether, there was the snow, the flake on the window, you the amber glow. C'est une histoire un petit peu étrange d'un jeune homme qui s'éloigne du monde et qui va passer ses jours sur un rocher. Qui est dans la mer et qu'il peut seulement atteindre le rocher à la marée haute. Et quand la marée baisse, il est coincé sur le rocher. Ou l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. C'est incroyable, le bruit des oiseaux. Parce que quand tu te mets ici et tu bouges pas, tu entends vraiment le battement des ailes.